Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur ma page Les Délices de Frifri. Confinée, je cuisine. Aujourd'hui, je vais faire une petite tarte au thon. Dans cette recette, je vais utiliser la pâte brisée que j'ai fait moi-même. Vous pouvez également utiliser celle des commerces. Je vous mettrai le lien de la vidéo de la pâte brisée dans la barre d'infos et également la liste de tous les ingrédients utilisés dans la barre d'infos. Voilà, je mets un peu de farine sur ma pâte que je vais, à l'aide de mon rouleau pâtissier, venir l'abaisser à une épaisseur de 0,5 cm. Je vous mettrai le lien de la vidéo de la pâte brisée dans la description. Je vais mettre du riz sec pour éviter que ma pâte ne gonfle à la cuisson. Et surtout pour laisser échapper la vapeur. J'ai mis mon four à préchauffer à 160 degrés. Je vais enfourner ma pâte pendant 7 à 10 minutes. J'ai mis un peu d'huile à chauffer. Je vais mettre l'équivalent d'un poireau et d'un gros oignon que je vais faire suer. Je vais ensuite rajouter mes champignons. Après 5 petites minutes de cuisson, ma préparation est prête. Je vais arrêter le feu et puis réserver. Je mets 3 œufs dans mon cul de poule, du sel et du poivre, 150 g de crème fraîche. Je vais rajouter 4 cuillères à soupe de lait. J'ai sorti ma pâte brisée du four. Je vais mettre mes oignons, poireaux et champignons dans mon plat, du moins dans ma pâte brisée. Je vais ensuite mettre du thon émietté. Ensuite, je viens verser ma préparation à base de crème fraîche, œufs et sel et poivre, un peu de lait également, et je viens mettre la mozzarella que j'ai soigneusement hachée. Un peu de persil haché. Et voilà, je vais enfourner ma préparation pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, merci de me laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à ma page pour plus de vidéos. Je vous dis à très très vite avec de nouvelles astuces.